Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'utilisation d'un pistolet de sablage pour des sablages de petite surface. C'est un pistolet de sablage de la marque ABAC qui nécessite l'usage d'un compresseur avec un débit d'air de 160 litres par minute minimum et un fonctionnement entre 6 et 8 bars. Ce modèle fonctionne un petit peu comme un pistolet à peinture, nous avons un contenant en aluminium et un pistolet qui va venir se visser sur le réservoir. Le sable fonctionne très bien lorsqu'il est d'une très fine granulométrie, comptez environ 0,6 maxi, en remplissant 2 tiers du réservoir. Il n'y a plus qu'à visser et à brancher en connexion rapide. Ici, nous utilisons un compresseur tout juste avec une cuve de 100 litres d'air pour une pression de 6 bars avec un débit restitué adapté. Pour la démonstration, je vais vous faire un petit sablage sur une petite zone de cette porte pour la peinture qui s'écaille ainsi que les ferrures noires. Le sablage respecte les fibres du bois, il ne déchiquette pas les fibres des planches comme le ferait l'hydrosablage. Et le résultat est rapidement propre. Quant aux ferrures, ça va nettement plus vite. Ici, vous avez un résultat noir sur noir. La peinture s'enlève quand même correctement, mais le résultat est immédiat. Ce type d'outil est donc indispensable quand vous avez un compresseur et des zones de nettoyage sensibles à effectuer.